L'aspect visuel est déjà très important. On a toujours ces reflets un peu très dorés, très, très intenses. Le fait de le carafer va justement l'ouvrir, le faire s'épanouir un peu plus rapidement et nous donner un peu plus de sensation dès le premier verre. Alors l'accord mais vin. La vraie sensation quand on déguste ce vin, c'est qu'on va toujours tout de suite avoir la pertinence du Sauvignon qui va ressortir de ce vin. On va avoir la fraîcheur, on va avoir besoin d'avoir le côté presque iodé du vin. On va avoir tout de suite une image de la chair de tourteau, la chair du crabe qui peut avoir du plat, qui vient naturellement. On va tout de suite se projeter sur un élément de la mer pour justement l'accompagner. Mais la poursuite de la dégustation va nous faire ressortir la rondeur, le gras du sémillon qui fait l'assemblage de ce vin. C'est pour ça que j'aime bien ces grands vins blancs de garde, parce qu'au bout de 10, 15, 20 ans, ils arrivent à une certaine plénitude, rondeur, maturité. Et alors là, la chair du crabe, ce côté crémeux qu'on retrouve dans le plat, peut-être que la nette va bien avec ça. Va donner du végétal, qui va donner un accompagnement en fait. On a du iodé, on a du gras, on a de la rondeur, on a un petit peu côté, pas coin, mais un fruit blanc, un chair blanche, qu'on commence à avoir cette sensation-là. Mais le côté végétal qui va faire rafraîchir un peu tout ça, va être donné par le plat. Oui. Donc c'est vraiment une homogénéité entre le plat et le vin qui va être révélateur. Moulade de tourteau à la nette avec une sauce fleurette au citronné. Et ce qui est très important, c'est la qualité des produits qu'on va y mettre. Voilà, c'est des tourteaux qu'on commande 48 heures à l'avance, c'est des tourteaux de 1,5 kg. C'est 2 à 3 heures de travail tous les jours. Ouais. On y met de la courgette, on y met de la carotte, céleri branche, céleri boule. Donner un peu de peps, on va rajouter de la nette. Ouais. Au tout dernier moment, on y incorpore un petit peu de jus de citron, un petit peu de sel et du piment d'Espelette. Et pour la liaison, on y incorpore de la mayonnaise. Le pointage que vous voyez ici, en fait, on fait une chlorophylle qui est faite à partir de persil plat. Et ces accords mévins font partie de notre signature du taillant. Oui. Moi, je travaille en étroite collaboration avec les sommeliers. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des réunions et des échanges qui sont très intéressantes et importantes, disons. Le mets doit être au service du vin ou le vin au service du mets. Je trouve que dans ces accords mévins, on devrait passer un bon moment. On va déguster. On voit bien la nette, on voit bien le piment qui relève bien le plat, qui lui donne aussi sa... On sent bien aussi la fraîcheur du tourteau. Hein. Je suis d'accord. Très iodé, on sent bien. Bon. Ça marche. Le mariage est super. Ah ouais. Bon. Y compris la couleur va bien. Et puis j'aime... J'aime le détail, la précision qu'il y a dans ce plat qui me fait penser à la précision des grands vins.